Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve sur Spintyr pour notre nouvelle aventure. Allez, on y va, j'ai fait la dernière fois un transport avec des petits rondins. Cette fois-ci, on va se faire un transport, comme vous le constatez, avec des rondins médiums, tout simplement. Alors on est parti, c'est pas tout à fait la suite de ce que j'avais fait la dernière fois, puisque malheureusement il y a eu et l'objectif ici, donc il faut qu'on aille tout droit, tout simplement. Allez, tac, en passant par là, hop, hop, hop. Donc il y a eu une mise à jour, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, il y a eu une mise à jour, et malheureusement, la mise à jour m'a fait perdre, entre guillemets, tout ce que j'avais... tout ce que j'avais fait. Donc je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut qu'on aille, voilà. J'ai redéverrouillé tous les points, tout simplement, et puis plus comme ça, on n'a plus qu'à tout simplement continuer. Alors on y va, on va traverser ce guet tranquillou, et on va aller essayer de se faire une livraison, tout simplement, ensemble. On va voir ce que ça va donner. Donc le nombre d'abonnés continue à augmenter, je vous en remercie. On est toujours dans une bonne progression. La partie Farming Simulator en multi plaît beaucoup. C'est une série qui plaît plutôt pas mal. En théorie, je devais avoir mon truc là. Ça n'a pas gardé. Bon bah c'est bien. Alors hop. Écoutez, on va suivre cette piste là. On va suivre cette piste là. Allez, on y va, c'est parti. Donc c'est ici. Ouais. Donc ça plaît plutôt pas mal. Donc voilà, on va continuer cette aventure sur la Belgique profonde V2 en compagnie d'abonnés, tout bêtement. Voilà, on va essayer de faire ça. Je vais mettre en place, donc comme indiqué précédemment, donc je pense cette nouvelle série sur la map Vosges. Alors maintenant il y a la 4.3 qui est sortie, donc je l'ai téléchargée. On va partir sur la donc, dernière version, la 4.3, tout simplement. Est-ce que j'arrive à sortir de l'ornière? Non, je ne vais pas arriver à sortir de l'ornière. On va rester dedans, c'est pas très grave. Voilà. On va continuer, bien entendu, l'aventure American Dream Farmer avec le John Deere. Il est sorti le nouveau mode John Deere. On est, je crois, à 9400. Donc à essayer. On va voir ce que ça va donner, tout simplement. Et puis voilà, il faudra que je vous fasse un petit peu de construction simulator. Donc là, j'ai pas eu malheureusement le temps de bien avancer sur ce jeu, puisque comme je vous l'ai indiqué, je vais tout simplement vous montrer des missions un petit peu plus complexes que celles du début. Donc on va attendre d'avoir du matériel un petit peu plus sympa, et on verra ça ensuite. Voilà, donc pour les semaines à venir, je vais dire, voilà, on continuera également au TS2, je vous montrerai mes camions, on va continuer un petit peu du Spintyr tranquillement, parce que c'est un jeu que j'aime bien, que je kiffe bien, entre guillemets, donc il n'y a pas de raison, on va continuer avec, tout bêtement. Donc en théorie, on est sur le bon chemin, hein, on va continuer comme ça, on va voir ce que ça va donner, on va pas trop prendre d'élan, parce qu'on va se planter là, et on va se faire des dommages. Pour l'instant, dommage 0 sur 600, mais écoutez, ça se passe pas trop mal. Le carburant, par contre, voilà, j'ai avancé le temps pour nous mettre en 2 jours, c'est quand même plus sympa. On se met 2 jours, c'est un petit peu plus agréable à regarder, je pense, pour vous, et c'est plus agréable à jouer pour moi. Voilà, tout simplement. Allez, on va monter la côte et après on va regarder si on est bien toujours sur le bon trajet. Pour aller donc charger nos grumes de bois, tout simplement. Voilà, allez, hop, arrête-toi. Mon coco, on a l'air pas mal. Ouais, allez, on continue donc cette piste là, ici, ici, et ici on verra comment on va faire. On va déjà aller jusque là. Voilà, allez, on y tourne, c'est parti. Donc après il faudra quand même que je change, je vous montrerai un autre camion, parce qu'il n'existe pas que ce camion-ci, tout simplement. On a aussi d'autres possibilités. Bon, moi je m'emmerde pas, on pourrait faire le tour là par la gauche, mais moi je vais droit dans le tas, droit dans la boue. C'est fait pour ça, feu du tout terrain, on the mud, dans la boue, comme le dit l'intitulé de la série. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien.
A priori, tous les écoliers, enfin, en tout cas, tous les écoliers, ceux de ma zone, en tout cas, hein, sont retournés à l'école. Donc, ils ont bénéficié de tranquillement 15 jours de vacances. Voilà, donc, ce qui m'a permis de tourner un petit peu avec Kevin, là, mon cher abonné, donc, avec qui je fais. En tout cas, avec qui, pour l'instant, j'ai fait quelques épisodes sur mon multi, 3 épisodes en l'occurrence. Voilà, donc, je le contacterai. Au moment où je tourne cette vidéo, elle sera certainement upload dans la journée. Pour ceux qui regarderont, donc, Kevin et les autres, puisque j'ai pris contact par Skype avec d'autres abonnés qui m'avaient demandé. Pour faire du multi, voilà, je vais déjà vous le dire aujourd'hui, mais je vous enverrai un message via Skype. Normalement, je vais tourner un nouvel épisode mercredi 13h30. Voilà, tout simplement. Ah, quelques coups de lag, mise à jour ou quelque chose. Nouvel épisode, voilà, sur la Belgique profonde en multi ce mercredi 13h30. Donc voilà, à vos calepins, si ça peut vous intéresser, commencez déjà à me répondre. Mais je vous enverrai, comme je vous ai dit, ceux à qui j'ai le Skype. Je vous enverrai un petit message et vous me direz ce qu'il en est. On va essayer de se faire ça aller à 4 personnes, je pense, pas plus. Parce que, donc, comme vous le savez, je ne joue pas sur serveur, donc je ne sais pas ce que ça va donner. À 2, ça allait pas trop mal. Pourquoi ça lag là, c'est bien chiant. Donc on essaiera de se faire ça à 4. Et puis on verra ce que ça peut donner tout simplement. On va quand même laisser le différentiel. Même si ça n'a pas l'air, c'est quand même compliqué de rouler là. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de notre itinéraire. Voilà. Et en théorie, on va essayer de partir par la gauche. Ouais, on va essayer de passer à gauche. Alors. Faire simple, est-ce qu'on va à gauche là tout de suite ou est-ce qu'on essaye de... Ça va pas forcément être évident. Dans l'idéal, j'aurais dû... Dans l'idéal, on va essayer de venir ici. Voilà, dans l'idéal, on va essayer de se faire comme ça. Voilà, allez, on va essayer de sortir comme ça. Donc c'est par la droite. D'aller ici, on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'après, il faut carrément retraverser complètement la carte dans l'autre sens. Alors, on va carrément en haut à gauche et il faudra aller en bas à droite. Jusqu'ici à vide, ça va pas trop mal. Une fois chargé, parfois ça va pas plus mal, hein, mais c'est vrai qu'il y a des passages comme ceci là où on va se retrouver. Là où quand on est chargé, bah, forcément, c'est un petit peu moins évident. Étant plus lourd, il a un peu plus de mal à passer. Allez, vas-y mon gros, tranquille, c'est parfait. Par contre, là, la trace me dit d'aller complètement là-bas, mais semble-t-il, je vais viser quelque chose de pas trop mal par rapport à mon plan. Ok, on va essayer de. Marche arrière. Allez, on essaie de partir par là, si ça passe. Ça marche toujours avec cette remorque là. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Allez, ça bourrine, hein, comme on dit. Là, on a du caillasse. Passer, ça a l'air d'être bon. Allez, c'est parti. On va passer hors chemin. C'est aussi sol spin tir pour pas forcément toujours les pistes. On coupe un peu à travers le champ. Et jusqu'ici, ça nous réussit pas trop mal, je vais dire. Ça a l'air d'être pas mal. Ah, ça pourrait être aussi quelque chose à faire, un petit multi avec des abonnés sur SpinTier. Maintenant, je ne sais pas qui a SpinTier et qui ne l'a pas. Écoutez, laissez-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser de faire un petit multi ensemble là, sur SpinTier. Ce sera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Je veux bien jouer avec vous, chers abonnés, il n'y a pas de problème. Faut-il encore que vous vouliez jouer avec moi. Donc, pareil, petite dédicace. Ah oui, il fallait que je fasse une dédicace. Alors, je crois qu'il fallait que je dise... Titive, ouais, je crois que c'est ça, donc petite dédicace à toi, Titive, voilà, c'est le premier qui me demande de faire une dédicace, donc je te fasse plaisir, il n'y a pas de souci. Donc Titive, dédicace à toi. Je remercie également toujours
tous mes abonnés, les anciens comme les nouveaux. J'ai David de la team LSA qui s'est abonné également. J'ai Matt Kamikaze, voilà, des youtubeurs un peu entre guillemets importants, voilà, qui ont des abonnés, etc. Voilà, je souhaite la bienvenue également à tous les autres. Je remercie toujours Monsieur Kiwi, à qui je ne peux jamais répondre à ses messages, mais qui me donne des liens de mod. Donc merci à toi. Et bah écoutez, pour vous que ça dure, pour vous que ça continue. Actuellement je crois qu'on est à 138 abonnés, donc voilà, je suis très content. Ça continue. Et c'est tant mieux. Voilà, donc on va essayer de faire croître tout simplement tout ça. Faire grandir la chaîne, la faire connaître. N'hésitez pas à partager les vidéos, à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et moi, en retour, je vais essayer de vous proposer du contenu de qualité sur les jeux de simulation, puisque l'objectif de la chaîne, c'est surtout les jeux de simulation, tout simplement. Normalement, on ne devrait pas être loin en théorie. Ouais, on n'est pas loin, ça marche, on continue tout droit. Du lieu de chargement. Faut quand même presque un long petit 10 minutes déjà pour traverser là, donc je sais pas si on aura le temps de faire la livraison. Je veux pas dépasser la demi-heure sur la vidéo. Donc on va essayer de se dépêcher, mais enfin, c'est pas évident. Se dépêcher dans Spin Tier, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. En théorie, là on devrait être pas mal. Voilà. Le chargement est là, on a a priori, j'espère, un petit peu de fuel dans la cuve là pour pouvoir refuel. On va en profiter. Donc on est sur la map Plains, me semble-t-il, les plaines. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle a changé par rapport à l'autre. Enfin bref, on va pas chercher. Alors, est-ce qu'il serait possible de refuel là? Vide. Bon, écoutez, on va pas s'emmerder, on y retourne. On continue. Et s'il faut, on viendra se dépanner tout simplement. Oula, on va pas baigner là tout de suite. Maurice, mon Michel, ça serait ballot, juste avant de charger en plus. Alors ce qu'on va se faire, c'est que cette fois-ci, on va essayer de se charger en marche avant. On peut qu'on y arrive. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner là? Medium log, load, hop, oh, parfait. Allez, on y retourne, on perd pas de temps. Est-ce qu'avec un peu de chance, j'arrive à faire le demi-tour par là? Moins sûr. Allez. Pas trop loin, on va se faire chier dans les souches d'arbres. Et ben c'est pas dit qu'on arrive déjà à sortir. Ah mais voilà, on est coincé plus ou moins par ce bout de bois de merde là. Allez mon gros, ouais, tu peux le faire, voilà, c'est bon. Et on s'est dégagé de là déjà, c'est pas mal. Et ben on n'est pas rendu, je vais vous dire. Parce que... Si déjà pour sortir de l'aire de chargement, il nous faut 3 plombes. Je ne dis pas le temps qu'il va falloir pour aller jusqu'à l'aire de livraison. Ça va être coton. Allez, tu baignes pas. Reste là tranquille. On va y arriver. Alors, soyons fous. L'idéal, comment va-t-on repartir? Allez, hop, on va simplement regarder la carte. Est-ce que là j'ai pas débloqué, vous voyez? L'idéal, c'est vrai que ça serait pas mal de venir ici.
Donc on va filer tout droit jusque là. Allez, c'est parti, cours. Et on va essayer d'aller livrer nos bois moyen, medium log. Ça va être chaud. Ça va être même très chaud. Parce qu'en plus, question fuel, ça va pas être le top. Ça va être, je vais dire, très compliqué. Allez mon gros, tu peux le faire là. On n'avance pas du tout, on n'avance quasiment pas. On est venu par là, ça se passait pas trop mal. Ah, écoute, tu baignes d'un côté, écoute, tu baignes de l'autre. Pas évident, hein. Bon, c'est du speed tir, hein. Si ça passait tout seul en même temps, le jeu aurait pas vraiment d'intérêt, hein. C'est ça le principe aussi. Mais allez, on a l'air d'être décollé un petit peu là. Vas-y, lâche-toi. Ouais, ça y est, on a l'air d'être parti. On prend une petite vitesse de croisière. De toute façon, il faut prendre la piste. On va droit, on s'emmerde pas, on réfléchit pas. Allez, c'est bien. Tranquillement. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même rester là, même si on a du mal à passer. On va quand même passer en bas dans l'eau, parce que là-haut, c'est le coup à se baigner le camion. Voir rester coincé. Et puis, a priori, ça a l'air de pas trop s'enfoncer. Donc, on est même bien, bon choix. Alors, on se félicite un peu tout seul. Allez, petit voir. Restons sur la partie gauche, ça a l'air d'être pas trop mauvais. Allez, ça a l'air de rouler pas mal. On en profite. On va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai qu'en vrai, hein, je sais pas si ça existe vraiment de transporter du bois dans des conditions comme celle-ci, mais ça doit être dantesque. Ça doit être un truc de fou, comme on dit. Hein. Les camions existent plus ou moins, parce que là, on a en ce moment un petit peu des camions comme ceci, les CRAS, là, qui sortent sur le Farming Simulator 2015, FS15. Hein. Moi, je prends pas, parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir des camions comme ceci, mais c'est vrai que hein, c'est des camions qui, a priori, existent réellement. Hein. Ouh là là, ils sont mauvais, là. Je vais rester par là. Rester en bas. C'est la petite côte. Ouh là 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 là, ça penche, ça penche, ça penche, ça tangue. Ça tangue pas mal. Ça tangue même beaucoup. Non, reste pas là, va pas. Tu vas t'enfoncer dans les caillasses là. Ouh ben là, ça sent le roussi. Alors, retourne là en bas, ça sera pas mal, tout à fait. Ouh, je me suis vu mal barré, je sais pas si vous avez vu comme moi, mais ça commençait à tanguer. J'y ai vu mal engagé là dans l'affaire. On est passé, je dis ouf. Allez, là on va suivre notre chemin pas défini, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air de rouler à peu près. Que ça leur donne à peu près, je vais dire, là, je sais pas, parce que c'est le coin, à mon avis, qui va être bien gras, bien épais. Et là, à mon avis, on va galérer pour passer. On a l'air d'avancer quand même à peu près, pour l'instant. Et il nous reste quasiment que 5 litres de fuel, donc il faudra qu'on aille chercher un autre camion et venir se dépanner. Bah écoutez, ça va faire l'objet du prochain épisode.
il va falloir qu'on aille tout simplement chercher un camion pour se dépanner. Parce que là, de toute façon, on n'ira pas beaucoup plus loin. On a simplement 4 litres de fuel. On va se faire encore 3, 4, 5 mètres et puis on va se planter là. Ce qu'on va essayer de se faire, c'est qu'on va essayer de se mettre de côté. Ça, ça a pas l'air gras comme ça, hein, mais vous voyez comme on s'enfonce. Ah mais je suis con, je voyais 5 litres. Hein. Tant pour moi, il reste 40 litres de fuel. Bon, de toute façon, on n'ira pas au bout. Hein. Et j'étais pas en train de regarder sur la bonne ligne. Je regardais la consommation minute, en fait. Vous voyez, 5 litres, je dis merde. Ça va être cuit, on va y rester. Et finalement, c'était pas la bonne ligne. Bon, bref, autant pour moi, on a que 38 litres de toute façon. J'espère qu'on va monter là. Mine de rien, ça monte quand même. On a un bon chargement. On va se retrouver dans la flotte. On va se rincer les roues. Est-ce que c'est profond? Pas profond. Alors là, je sais pas si c'est vraiment la bonne idée de venir là. Je sais pas du tout si c'est l'idée du siècle. Sortir un peu le nez de l'eau, mais j'espère que c'est pas trop profond là au milieu, parce que sinon ça va être réglé pour notre camion. Alors ce qu'on peut essayer de se faire, on va essayer de se planter là tranquillement. Ouais, on sait pas, de toute façon on va quand même aller là-bas tout droit, on va se tenter. C'est pas si mal passé que ça. Le début était un petit peu laborieux. On était vraiment le nez dans l'eau. Et finalement, ça a été. Allez, on continue notre escapade. On va essayer de trouver la piste qui descend droit là-bas en bas à l'aire de livraison. Encore un petit peu de chemin. Et là, ça a l'air d'être un peu plus facile. Est-ce qu'on va faire un nouvel différentiel? Ce train là, on va être obligé de laisser. Pas trop fort pour pas taper et endommager le camion. Niveau dommage, on est plutôt pas mal de toute façon. Jusqu'ici tout va bien. Niveau de kérosène. Allez, on va pas te planter là. Surtout, on va pas te cabaner là. Maintenant, on va arriver dans une zone plus ou moins marécageuse. Là-bas, il y a pas mal de flotte. Mais parfois, la flotte, c'est pas le plus compliqué. Hein. C'est souvent moins traître que ces pistes où on a l'air de passer tranquille et puis finalement ben on s'enfonce, on pose la garde du véhicule et puis on y reste. C'est le principe. Par contre, il va falloir se méfier des arbres qui sont plus ou moins en travers. On va essayer de se mettre à gauche. Et là, par contre, full 14 litres. Là, par contre, on va commencer à arriver sur la fin. Allez, bon. Allez, on peut y arriver. Voilà, ça va être beau, ces effets de texture là, au niveau des roues, là, le déplacement du terrain, c'est vrai que c'est super bon. Même le reste, hein, le jeu tourne, il est beau, c'est très très agréable. Ah bah, c'est pas fait exprès, mais en même temps on va débloquer une zone. Ça pour la suite, ça sera pas mal. Ça permettra d'avoir une meilleure vue encore sur la carte. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Telle est la question. Est-ce que là, mon gros, je vais payer une caillasse, je sais pas quoi. Je suis pas sûr qu'on va arriver à ressortir. Ça avait l'air simple, mais vous voyez, hein, des fois c'est pas ce qui a l'air plus compliqué qui est plus difficile à passer.
Allez, on peut le faire. Fuel 2, et on va se planter là comme des cons. Mais c'est le principe, et c'est le jeu. 1 litre, bam 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 bam. De toute façon, il faudra simplement aller. Allez, essaye s'il te plaît de me décoincer le 0 litre. Oh là 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 là, c'est une blague. Vous voyez, je suis à moitié dedans. Je suis à moitié dedans. Eh ben écoutez, ça va faire l'objet du prochain épisode. Il faudra qu'on vienne se ravitailler en fuel. Et c'était Farming Savoyard sur Sprintir épisode numéro 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. À la prochaine.